Nous travaillons dans le cadre du comité électoral départemental d'une part, donc je retrouve le professeur Marita Ounian à l'occasion de temps en temps, surtout je vais l'accompagner davantage, mais le MAS en tant que tel a déjà son propre comité électoral. Nous avons donc un programme au niveau de la commune de Saint-Louis et un programme dans le département. L'objectif de ce programme, c'est de renforcer ce qui est en train de se faire actuellement. Mais nous veillerons à ce que le programme du professeur Marita Ounian ne soit pas perturbé, qu'on puisse se retrouver à l'occasion. Nous nous rendons compte que actuellement, notre candidat sortant a un bilan programme qui est vraiment très objectif. Rien que ce bilan parle par lui-même. Donc maintenant, il s'agit de porter ces réalisations au niveau des populations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. De me ñëw Sertiko parce que moi, président du comité électoral départemental, man may troisième adjoint ci biir comité bobu. Donc normal na ma ñëw fekk Sertiko. Benen bi manqué retrouver tam avec plaisir parce que ni ngeen ko gissé nit ku nangul liggéey la bëgg liggéey am ci rigueur. Donc nak si anam ji nak motax tay ñu ñëw fekk Sertiko fi dajé ak mom avant de retourner sur son propre programme électoral. Notre programme bien déroulé concernait commune Saint-Louis et département. Commençons depuis longtemps, nous c'est continué parce que les gens qui ont une masse mouge intervenir, c'est Ayendok, c'est affaire de sport, c'est affaire de prise en charge d'étudiants. Nous intervenir également si association culturelle aussi. Des enclavements, réalisation de pistes de production, d'addition d'eau potable. Donc, l'OLIEP n'est que le Hamitam Yakarnuni, d'un chifek président de la République d'Isiligay, nous sommes aussi sur une modeste contribution si Anam Djoujinek l'ayant évolué.